La voie verte Alain Mimoun, reliant Messange à Azur, a été inaugurée ce samedi 13 septembre. Cette piste fait partie de la boucle nord inscrite dans le schéma régional cyclable du GIP Littoral. Le cyclotourisme devient une activité quasi incontournable, comme nous le rappelle Henri Emmanueli. Ce nouveau tronçon, c'était un tronçon de ce que la communauté de communes Max appelle la boucle nord, qui vient en complément de la Vélodyssée. Qui, elle, est quelque chose de beaucoup plus important sur le littoral, est déjà très utilisée. C'est une activité qui est très prisée aujourd'hui, à la fois par des gens relativement jeunes, mais aussi par des personnes plus âgées. Cette piste cyclable a été réalisée par la communauté des communes Marraine Adour Côte Sud et aura coûté environ 782 026 euros, partagée entre la MAX, la région Aquitaine et le Conseil général des Landes. Elle s'inscrit dans une logique d'aménagement territorial, prévient Eric Kerouche. Le but pour nous, c'est de couvrir l'ensemble du territoire, de devenir la destination cyclable la plus importante d'Aquitaine. Donc ce tronçon, il s'inscrit dans notre politique. Nous avions, comme le président Emmanuel l'a dit, une Vélodyssée qui traversait notre territoire. Et puis, sur cette Vélodyssée, nous connectons maintenant différentes boucles, une boucle nord, une boucle centre, et entre elles un maillage, pour que nous puissions avoir la capacité de se développer sur les 23 communes de Max en vélo, sans discontinuité. C'est penser la mobilité différemment, en conjuguant la voiture, le bus, le vélo. Il faut aller vers autre chose, une autre façon de concevoir ces déplacements. Et cette autre façon de concevoir ces déplacements, elle passe par la réalisation d'infrastructures comme celle que nous avons inaugurée aujourd'hui. Cette voie verte Alain Mimoun permettra donc de joindre les bourgs de Messange et Azur en toute sécurité dans un cadre forestier unique et pourra déconcentrer la Vélodyssée en période estivale très prisée par les touristes. Cette nouvelle voie s'inscrit dans le schéma directeur lancé en 2009 qui prévoit 268 km de liaison douce dont 68 ont déjà été réalisés.